Je voulais juste faire une table avant. Mégane est Allez, à tout à l'heure, Miguel. Bon, je voulais juste te faire un travail. D'accord, merci. Et puis, j'ai à dire de l'autre côté parce que je vais pas. Courage, maman. Courage, maman. Voilà, comme vous avez appris dans le réseau, comme on a dit, l'honorable Mike Mukebaï a été enlevé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Enlevé par des personnes cagoulées, venues avec une petite planche dehors ici. On a été alerté. On l'a enlevé, on l'a cagoulé, on l'a mis dans la jeep, mal militaire, avec la violence. Le voisin était même en train de crier. On l'a emmené à une destination inconnue. Voilà. On est descendu sur place. Nous, on est des journalistes, vous le savez, très engagés d'ailleurs, pour vérifier l'information que vous avez suivie dans les médias. Et les voisins nous avaient alertés, nous ont envoyé des vidéos. On vient d'arriver ici à la résidence de l'honorable Mukebaï. Il est bien bel et bien enlevé. Ce qui fait mal. Et ce que je déplore, et ça c'est mon édito, c'est que en plein état de droit, on ne peut pas, un jour, dimanche, 18 heures passées, enlever un député. Mike Mukebaï n'est ni un voleur, ni un criminel, sa résidence est connue, un député provincial, il y a 16 immunités, on pouvait juste venir déposer ici à convocation où il y a un mandat. Présenter, le laisser présenter ou le prendre logiquement de l'exécutif que de faire ce que nous avons décrié hier sous le régime Kabila devant sa femme et ses enfants, un père de famille, le prendre, l'emmener comme ça, jusque maintenant à une destination inconnue, c'est des choses à condamner. On ne peut pas semer la terreur et la peur. Et Étienne Tshisekedi qui disait toujours chasser la peur. Nous sommes venus chez Mike Mukebaï, qui est un ancien journaliste, un ancien confrère et un grand frère, pour lui apporter tout notre soutien en tant que frère et ami. Et en tant que journaliste, pour vous confirmer qu'il est enlevé, et nous déplorons. Sous le régime Tshisekedi, des choses comme ça sont à décrier et à condamner. Parce que nous sommes dans un état entre guillemets dit de droit. On ne peut accepter des choses comme ça. Pour Mukebaï et pour tous ceux qui combattent pour la liberté, ce dont le destin est de mourir pendu ne se noie pas. La peur ne peut jamais faire partie du vocabulaire. Il est clair que lorsqu'on a un destin, on se doit de l'accomplir. Ta manière de battre en retraite est une tâche d'huile sur ton honneur.
les gens resteront debout quoi qu'il arrive. Voilà, il y a très spectateurs. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que nous condamnons, j'allais être avec la famille, j'allais être avec maman, pour les choses que nous vivons. Pour des enfants traumatisés. Très traumatisés. Je ne sais pas si Rigomba a quelque chose à dire. Des enfants traumatisés, on ne peut pas comprendre comment on peut arrêter un député provincial sans au préalable être informé au bureau. Et Godin Poï, comment il ne réagit pas si jusque-là, alors qu'on vient d'arrêter un député provincial. Il y a des immunités. Ça a commencé hier. Déjà, lorsqu'il y avait marche, donc on se pose la question si un député encore une valeur d'immunité. Arrêter un député comme un malfrat, c'est inacceptable dans un état de droit. Dans un état de droit, il faut respecter la procédure. Ce qui vient de se passer aujourd'hui est inacceptable et que face à la répression, nous n'avons pas autre chose que la répression. Voilà. Dans le moment où nous avons pu décrier l'enlèvement et la vision honorable de Mike Moutoubaï Sosso, c'est dimanche. Et nous avons pu dénoncer à Aizaboué. Nous avons pu pour les alliés pour la Bafignonce. Et c'est un cas de à chaque licambo, procédure est à la respecter. Ce qui est licambo et Ali, honorable Mike Moutoubaï a sali. À imiter, à vomiter, à s'encarrer. Car si ce que vous avez pour avoir une opinion politique, vous avez procédé les 5 à 4 pour qu'il y ait une invitation. Ou soit pour saisir le bureau pour n'avoir pas fait une autorisation et à quoi être au Kangaye. Car si vous avez une malibande à procéder, vous avez déjà sur l'état de droit. Nous sommes en pleine dictature parce que nous sommes en pleine dictature pour la respecter. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit pour apporter le soutien à la vision dans les côtés. Nous avons dit que nous avons dit que le régime en place a dit que nous avons procédure. Parce que ceux qui sont députés provinciaux, ils ont dit que nous avons 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 dit que avant 2016, Piso Nandeko, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a dénoncé Yango. La logique voudrait que tant que je suis au pouvoir, je suis au pouvoir. Je suis au pouvoir. Je suis au pouvoir. Je suis au pouvoir. Je pouvoir. Je suis au lobby. Je suis au dénoncé Yango. Je suis au Yango. Pire. Yango va au lobby. Enlèvement et honorable de Mike Moutoubaï, et bang, ça m'a quitté. Parce que le retard au Senga, libération immédiate et en déco, ou soit, va transférer devant son juge naturel. Merci beaucoup. Et nous, on a vu que c'est un livre que je suis une enfant. Les enfants. L'heure à la cour va calmer et puis d'après certaines indiscrétions, Bajan, nous devons calmer, papa, c'est Jacqui, Zinga, Zinga, nous devons calmer depuis les matins, depuis la journée. Mais ceux qui parlent de procédure, Bajan qui a Zinga, Zinga depuis la journée, il fallait la respecter, la procédure d'arrestation. Mais pourquoi on va venir au-delà des 18h pour l'arrêter pour l'année 18h? C'est comme on l'a dit, que c'est quand même un député. Il y a 16 immunités aujourd'hui, il fallait quand même respecter ce qui est en et qui partait quand même. Il fallait partir à la gauche droite, soit passer sur l'assemblée provinciale, soit partir pas juste la tribune derrière. Au lieu de voir, il y a un véhicule, non pas un véhicule de couleur, je crois, non grisère. Non grisère, il y a Pembe avec les agents à transporter et m'a mené dans une destination inconnue. Et comme je l'ai dit, il faut que ça me dise un peu. Merci beaucoup.